Bienvenue à cette projection du 10e film de la compétition dans le cadre du 47e Festival du cinéma américain de Deauville. Welcome to the screening of the 10th film in competition here at the American Film Festival of Deauville. Nous avons le plaisir d'avoir une partie de l'équipe du film qui est avec nous aujourd'hui à Deauville et à qui vous pourrez poser vos questions et écouter leurs réponses lors de cette conversation qui aura lieu à l'issue du film, à l'issue du générique de fin. I am now going to welcome on stage the director and the main actress of the film, and you may ask them questions in the Q&A session that is going to happen right here at the end of the screening, at the end of the closing credits. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, merci d'accueillir à mes côtés Lauren Hathaway et Isabelle Fuhrman. Oh, ok, bonjour tout le monde. Je vais essayer de dire quelque chose en français, désolé d'avance, mais c'est important pour moi parce que... C'est important pour moi parce que l'année dernière, la langue française et le film français, ils m'ont sauvé vraiment parce que j'ai commencé à apprendre le français au début de la pandémie. Et à ce moment-là, je vivais à Los Angeles, donc... Pour m'immerger dans les langues, j'ai regardé que des films français et des séries françaises et j'ai écouté que de la musique française pendant presque un an. Et c'était tout. Vraiment, je suis folle. Je suis tombée amoureuse de la culture du cinéma. En fait, ça m'a inspiré quand j'étais en train de finir mon propre film parce que je trouve que le cinéma français a un cœur, une âme, et c'est très inspirant. Et aussi, j'ai décidé, you know what, je vais déménager à Paris, pourquoi pas. Donc, oui. Depuis avril, j'habite à Paris, je suis une résidente française. Et je voudrais vraiment un jour de faire un film français, peut-être, mais en attendant, je suis juste contente d'être ici avec vous, c'est vraiment un honneur. Et ce film, Le Novice, j'ai écrit le scénario en inspirant de ma propre expérience comme une rameuse à l'université. Mais je dois dire que même si c'est un film avec de l'avérance, ce n'est pas un film sur l'avérance, c'est vraiment un film sur la persévérance, l'ambition, grit, le thème universel. Donc j'espère que tout le monde ici va trouver quelque chose à quoi se connecter. Enfin, je voudrais dire merci à tous et merci à Deauville. And I'll say it in English now for, you know, my fellow Americans. But my sort of story, you know, I wanted to say something in French because last year, French, the French language and cinema, it really saved me. I literally started learning French the day before LA totally shut down because of the pandemic. And then you'll see in a bit, I'm a bit obsessive of a person, kind of dove into it. And that was the thing that got me through the pandemic. And I really fell in love with the culture and the film. And there was something really inspiring about it. It inspired me when I was editing this film. And I decided, you know what, screw it. I'm going to move to France. And I did it. And I've been there since April. And, you know, I'd love to make a French film one day. But until then, I'm really happy to be here. And this film, I wrote the screenplay inspired by my own years as a collegiate rower. But it is not a rowing film. It is a film like with rowing, that's it. And it's really about grit and perseverance and all those things I think everyone in here can connect to, especially after the year we had. So thank you all, and I'm gonna now let Ms. Isabelle Fuhrman go. I'm not gonna speak in French, but I'm gonna try to... Why? Why? Pourquoi pas? I just wanna say thank you to Deauville for having us. This film really means a lot to me. When Lauren first sent me the script, I remember connecting really deeply with the story of drive and perseverance and grit. I think everyone kind of can primally connect to that feeling of really going after something that you want and desire and not always knowing where that will lead you or not always knowing where that desire comes from. So I'm really excited for you guys to see this movie. We put our heart and souls into it. And I threw my body into it as well. And blood, sweat, tears. Blood, sweat, and tears, literally. And we're just really, really proud to be here. So thank you so much for hosting us.